Mike. Vous l'avez sans doute reconnu, ce nouveau clapman. C'est Coluche qui devait en découdre durant deux jours avec ses 200 petits camarades venus s'amuser sur le circuit de Senlis pour la cinquième course Vigneault. Au programme, pluie, vent, eau, plus terre, plus boue, glissade, ailes tordues, travers et autres tonneaux. Vous avez compris, ce fut un week-end explosif. Plus de 10 départs auront été donnés avec 3 catégories. Les taxis, en fait ce sont les débutants, les journalistes, déjà habitués de ce genre d'épreuve, sans oublier les quelques jeunes femmes, engagées en catégorie sexe faible, et bien entendu les cascadeurs, catégorie réservée aux professionnels de l'automobile. 200 voitures devaient donc vivre leurs dernières heures sur le tracé technique et glissant de Senlis. Point de stock-car, mais des courses-poursuites où la maîtrise du pilotage, de la glisse, du contre-braquage devait jouer un rôle prépondérant. Tous les coups ne sont pas permis, il faut passer, mais pas de n'importe quelle façon. Les percussions sont interdites, seules les poussettes étant autorisées. Un fond de soi pour des courses comme ça. Bah, faut être copain avec les patrons des établissements surtout. À moins que ce soit celui-là même qui s'amuse à courir dans un petit truc comme ça. Et vous éclatez bien là, hein ? Bah, c'est très rigolo et ça coûte pas trop cher. C'est ça qui est super. Dans les stands, on mécanique entre chaque manche. Regardez, ce n'est pas vraiment aisé, la boue était au rendez-vous. Sa voiture, il la hait, il la frappe, elle n'a pas voulu fonctionner durant toute l'épreuve. La glisse, c'est pas un problème ? Non, ça va, avec ça, ça va. Alors c'est quoi comme voiture exactement ? CX. Et là, c'était combien ? 2000 francs. Et là, ça vous coûte cher pour participer à une telle épreuve ? Ah ouais, ça doit revenir à peu près à 3500 francs, quoi. Vous courez pourquoi ? Pour le plaisir. Les voitures, on les trouve entre autres chez Alain Siebert, qui vient de passer à côté de moi. Mais on les trouve, les gars se trouvent très bien, parce que je sens quand même tous des garçons qui sont bien placés là-dessus. Des concurrents, il n'y a pas de problème pour qu'il y en ait, parce qu'au contraire, il y a presque une liste d'attente. Et que les courses qu'on prépare pour 85 maintenant sont un type de spectacle bien particulier. Beaucoup plus de courses en vide, des courses de voitures enchaînées, des courses donc Vigneault infernale. C'est plus la course infernale, mais c'est Vigneault l'infernale. Et on n'a pas de problème pour l'organisation, ni pour les participants, ni pour les voitures. Alors, de l'eau, des glissades, des têtes à queue, des travers, le spectacle de choix ? Alors, de l'eau sur le circuit, c'est bien. En l'air, c'est moins bien. Il faudrait venir avec des palmes, là, aujourd'hui. Et pour ce qui est de la course, là, beaucoup de travail, on voit, là, sur le train avant gauche. Bah oui, on a cassé, enfin, j'ai cassé une biellette de direction. On m'a aidé un peu pour le faire. Mais enfin, c'est la course, hein. Ça, c'est... C'est comme ça. Vous courez pourquoi ? Pour me marrer, pour m'amuser. Les idées, ça n'existe pas trop en France, mais enfin là, Vigneault, il a de bonnes idées, c'est au poil, tout le monde se marre, je crois qu'il faut prendre ça à la rigolade. Si on commence à avoir les premiers, les derniers, les deuxièmes, si on commence à avoir un classement, ça sert à rien, il faut avoir l'amusement, et je crois que c'est ça le plus important. La catégorie cascadeur devait bénéficier d'un régime bien spécial. Départ en épis, style 24 heures du Mans. Et grosse innovation pour cette cinquième course Vigneault, Jean-Pierre, l'organisateur, avait tracé un 8 pour corser le spectacle. Et vous allez le constater, les rois de la glisse allaient s'en donner à cœur joie. Regardez, maîtrise du pilotage ou perdition, on ne sait plus. Le volant tourne dans tous les sens et dès le départ, ça va frapper. Elle est jouée, les bulldozers, regardez, elles sont toutes sur le toit. Gilbert Gacaglia et sa grosse Mustang numéro 217, lui, joue aussi les Mad Max. Regardez, il attaque comme un fou, mais c'est en fait Gilles Ocard et sa petite R5 numéro 201 qui allait frapper très fort, ainsi que la Lada bardée de fer de renfort. Regardez, une petite voiture, ça va très vite et ça saute dans tous les sens.